Là, je veux voir bouger. Je veux vous voir les mains en l'air. Et chanter avec nous, vous allez voir, c'est facile. Les Artis Funky, donc ils font du hard rock, enfin non, bien sûr, ils font du funk, une super musique d'ailleurs, avec des voix chaudes, avec tout un tas d'instruments. Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire du groupe en deux mots? On est un collectif de musiciens de la société Renault Trucks. Il y a 8 ou 9 ans de ça, avec un autre bassiste qui s'appelle Benoît Mazot, on a eu l'envie de jouer de la musique dans l'entreprise. On a demandé au CE de nous aider à créer un collectif de musiciens pour pouvoir travailler la musique ensemble. Et le CE vous prête des locaux? Il nous prête un local, il y en a un budget tous les ans pour acheter du matériel. Ah ouais, carrément. Et à côté de ça, on organise une sorte de petit festival lors de la fête de la musique. On fait venir des groupes extérieurs, dont certains qui viennent du Périscope. Bonsoir Majid. Bonsoir. Et bienvenue à Entreprise et Scène. Alors Majid, tu es le gonflé de la soirée, si je puis dire, parce que tu es tout seul à jouer. Tu es de l'entreprise ACI Villeurbanne. ACI Villeurbanne, qui est une entreprise qui fait quoi? Surtout, on est, c'est des châssis moteurs, partie tournante. Métallurgie. Métallurgie, tambour. Alors le CE est adhérent à l'ALTS depuis plusieurs années maintenant. On voit régulièrement vos élus qui viennent. Et puis quand on a proposé Entreprise et Scène, ils ont dit « Ah mais c'est super ça !» Et nous on a un gars qui fait du rockabilly, qui serait intéressé. Donc on est ravis de pouvoir t'offrir cette scène avec les autres groupes. Well, love me, never leave me, honey, you'll make me cry. If you really love me, then I keep my eyes dry. Love me, love me, love me, what I'm hoping you do. Baby, love me, love me, love me, oh, I love you. Love me, love me. Oh, baby, love me. Oh, baby, love me. Oh, baby, love me. Rockabilly, c'est toute ma vie. Ouais. C'est toujours ce que j'ai écouté, quoi. J'ai toujours chanté ça. D'accord. Depuis tout petit. D'accord. Jusqu'à maintenant. Avec des morceaux de qui, par exemple? Des morceaux des années 50, en fait. D'accord. Tout ce qui est rockabilly années 50, ça me reflète. D'accord. When the clock strikes 12, we'll cool off again, start to rock and round the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock to the brother. We're gonna rock and round the clock tonight. Oh, yes! Cette chanson va être dédiée à tous les patrons, cadres, qui sont là ce soir. On vous présente Hiérarchie. À mon boulot, même moi.
Moi, mon boulot, c'est ma vie, je cours et me démène. Et j'écoute et je veille, ne pas perdre de temps. Entrer dans la famille en attendant, je suis poli. Bonjour, pardon, merci, un jour. Les terribles Thoriot, donc le groupe issu de la ville de Vourges, si je ne m'abuse. Tout à fait. Vous allez nous en dire plus un peu sur votre groupe. Donc, au départ, je suis élu au casque, j'étais président. On avait une section sport et c'est un petit peu pour relancer le côté culturel qui manquait. Il a lancé cette section musique et puis il a approché plusieurs d'entre nous pour qu'on puisse s'inscrire et il nous a proposé de jouer ensemble. Moi qui aurais tant voulu faire le tour de la terre. Pardon, merci. Je deviens ton ami. Hiérarchie, ma chérie. Allez, les gars, on n'est pas fatigués. Faut monter la productivité, un petit effort encore et je serai promotionné. Travail à mort, vas-y. Les morceaux, comment vous les choisissez? Qui c'est qui propose? Tout le monde en propose un petit peu, chacun son truc, on essaye. C'est très démocratique. Ouais. Mais c'est moi qui dis le dernier mot. Aux yeux d'acier, au sourire coquin, Harley Davidson, elle se promène. Croyez-vous que je sois jalouse? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai un piège à mec, un piège tabou, un joujou extra qui fait crack boum les mecs quand on a mes genoux. Il y a les drogués, les folles, les zen, celles qui lisent et celles qui savent parler. Déjà l'idée c'est d'arriver à se retrouver pour pouvoir répéter ensemble. Déjà pour s'amuser. Oui, pour s'amuser. Parce que si vous avez quelque chose d'assez intéressant, j'ai vu, c'est que tout le monde se marre. Oui, on a remarqué que ça rigole beaucoup, ça plaisante. Ça déstresse. Ouais. Le but ça premier, déstresse. C'est de se retrouver, s'amuser, se détendre, se faire plaisir. Mmh. Et plus, puis, on... Peut-être ce soir, Jean-Luc, je ne sais pas.